Le jour du départ en vacances au collège d'Amiens, où il est élevé, Desgrieux, jeune homme sage, tombe amoureux d'une toute jeune fille, Manon Lescaut, qu'il rencontre dans la cour d'une auberge. Les deux jeunes gens, dont le coup de foudre a été réciproque, décident de fuir ensemble. Réfugiés à Paris, ils sont bien vite au bord du dénuement. Manon adore son petit chevalier, mais il y a quelque chose d'encore plus fort dans son cœur. C'est la peur de la misère. Et très vite, elle se rend aux offres d'un fermier général très riche qui habite de l'autre côté de la rue. Commence alors pour Manon une double vie. Le naïf chevalier ne s'aperçoit de rien. Et un soir, on frappe à la porte. Ce sont les valets de son père qui viennent enlever le jeune homme pour le ramener à Péronne, dans sa famille. Desgrieux, le cœur déchiré, apprend de la bouche de son père que c'est sa maîtresse elle-même qui lui a communiqué l'adresse de son fils. Anéanti par cette duplicité, Desgrieux se persuade qu'il pourra oublier Manon. Et sous l'influence de son cher ami Tiberge, il décide d'entrer au séminaire pour y commencer ses études de théologie. L'amour terrestre, pense-t-il, n'était pas pour lui. Il sera désormais, pour toujours, à Dieu. J'avais vécu une longue année de paix à Saint-Sulpice. L'habit ecclésiastique avait pris la place de la croix de Malte et le titre d'abbé Desgrieux, celui de chevalier. Sans doute n'avais-je pas prononcé mes vœux, mais une page avait été tournée en moi. Manon n'était plus qu'un vague fantôme souriant dont les visites se faisaient de plus en plus rares et je me croyais très sincèrement destiné à Dieu. Ma piété, épaulée par celle de Tiberge qui considérait ma conversion comme son ouvrage et dont la chaude amitié n'avait cessé de m'entourer, avait fini par apaiser mon cœur. Comme la vie au séminaire était simple, et simples les plaisirs de nos innocentes récréations, peut-être le bonheur était-il là. L'eau de la prière me lavait l'âme chaque matin et chaque soir. Le sommeil venait ensuite innocent avec la douceur de l'oubli, et je me croyais à jamais délivré des faiblesses et des tourments de l'amour. Je m'étais attaché à l'étude avec tant d'application que je fis des progrès extraordinaires en peu de mois. Et le temps arriva auquel je devais tenir un exercice public à l'école de théologie de la Sorbonne. Et j'avais fait distribuer des invitations pour prier plusieurs personnes de considération de m'honorer de leur présence. Mon nom fut ainsi répandu dans Paris. C'est une invitation. L'école de théologie vous prie d'assister à la thèse soutenue par l'abbé Desgrieux sur la grâce à la chapelle de la Sorbonne. L'abbé Desgrieux? Aglaé, vous savez ce que nous devrions aller faire? Nous devrions assister au sermon. On dit le plus grand bien de ce jeune abbé. Ça nous élèverait l'âme? Allons bon, un sermon, si vous voulez, ma chère. À condition que le vicomte nous accompagne. Je n'aime pas le laisser seul. Depuis que sa sainte mère est morte, il est si riche que toutes les filles de Paris lui courent après. Oh, menez nos amants au sermon. Voilà qui va les surprendre. La Bélandière viendra aussi? Non, je n'y en parlerai même pas. Il est trop occupé. Il était 6 heures du soir. Je retournais à Saint-Sulpice, couvert de gloire et chargé de compliments. Mes camarades me voyaient déjà évêque. Lorsqu'on vint m'avertir qu'une dame me demandait au parloir.
Il vaut mieux refermer la porte. Je voulais... Oui, j'ai été infidèle et je mérite votre haine. Mais si vous aviez quelque tendresse pour moi, il y a aussi beaucoup de dureté de votre part de laisser passer 2 ans sans même essayer de savoir ce que j'étais devenue. J'étais donc déjà morte pour vous? Maintenant encore votre silence. Voyons dans quel état je suis de vous avoir retrouvé. Même pas le moins d'une parole. Manon. Père fille, Manon. Je le sais. Et je n'ai pas d'excuse. Et je ne demande pas pardon. Que me demandez-vous alors? Que je puisse encore vous donner? Une petite place, si misérable soit-elle, dans votre cœur. Sinon, je ne veux plus vivre. Je n'aurais jamais dû te revoir. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Manon... Manon, moi non plus, je n'ai jamais pu t'oublier. Je t'aime encore. Oh, tu l'as dit! Tu l'as dit, mon amour! Tu es si bon, si doux, si tendre. Comment je peux vivre sans toi? Tu as donc pu, toi? Non, je n'ai pas pu. Oh, j'ai cru que je le pouvais. Mais ce n'était pas vrai. Regarde-moi. Regarde-moi. Manon, pourquoi as-tu fait ça? On ne sait jamais pourquoi on fait les choses. J'ai eu peur. Nous n'avions plus du tout d'argent et je ne peux pas supporter la misère. Tu crois que tu pourras me pardonner un jour, mon petit abbé? Bien sûr, je ne suis pas une sainte. Et je sais bien que c'est une autre fille qu'il t'aurait fallu. Si elle a pourtant voulu que ce soit moi que tu rencontres, et pas une autre. Si tu entendais mon cœur comme il bat le pauvre dans sa cage, rien que d'être en face de toi. Si tu pouvais le voir, écoute-moi. Manon. Manon. Tu crois que tu pourrais me reprendre? Comprends bien, je ne suis plus libre. Tout ce qu'on dit dans Paris sur notre liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Dans une minute, cette porte peut s'ouvrir. Un supérieur me trouver à tes genoux et me punir. Tu as déjà dit oui? Dans mon cœur, oui. Je croyais m'être donné à Dieu. Mais je vois ma destinée dans tes yeux. Je vais tout rompre encore. Et me perdre. Je le sais déjà. Les faveurs de la fortune ne me tentent point. La gloire qu'on me promet ici me paraît une fumée. Maintenant que je t'ai revue, je crus me donner à Dieu. Je retenais d'une main. Manon. Terrible Manon. Mon pauvre petit Piquet. Tu as beau être déguisé en prêtre, tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Tu sais, je deviendrai peut-être celle que tu aimes en m'appliquant. Si tu me reprends. Lui, il m'a donné beaucoup de choses. Toutes les choses que je croyais aimer comme une folle. Mais c'est comme si je n'avais rien eu. J'étais... toute nue, toujours. J'avais froid.
Je n'arrivais pas à me pardonner la peine que je t'avais faite. Relève-toi. Maintenant, j'ai peur de cette porte. Je ne serai tranquille que lorsque tu seras sortie d'ici. Écoute bien. Je vais sortir la première, monter dans mon carrosse et t'attendre au coin de la rue. Rejoins-moi tout de suite. Mais je dois monter au moins jusqu'à ma chambre, prendre le peu d'argent que j'ai. Non, non, c'est trop risqué. Viens comme ça. Sors dès que je serai sortie. J'ai de l'argent, moi. Attention. Oh, pardon. Je croyais que le parloir était libre. Je vous en prie, mon père. Je vous félicite encore, monsieur, de votre beau sermon de cet après-midi. Il a su toucher profondément mon cœur. Et mes amis se joignent à moi pour vous dire notre admiration. Pardonnez-moi encore d'être venu jusqu'ici, mais vous étiez si entouré là-bas après votre succès. Une grande journée, mon fils. Oui, mon père. Je vous en prie. Prends celui-là, mon biquet. Ce n'est que pour sortir d'ici. On t'en fera faire un autre, tu penses bien? Et une épée. Vous avez une épée? Il me faut une épée, n'importe quelle épée. Bien sûr, oui, mon jeune seigneur, j'ai des épées. Je vais vous chercher ça. Et pas n'importe quelle épée, une merveille. Un peu chère sans doute, mais je vois que mademoiselle ne lésine pas. Mon petit chevalier. J'ai honte. Ah, tu n'en as pas l'air. Et pourquoi honte, mon biquet? Avec l'argent de cet homme. Bon, il te doit bien ça après ce qu'il t'a fait. Voilà, mon petit gentilhomme, voilà pour défendre votre honneur. Avec ça, il ne risquera rien. Évidemment, le temps peu cher, pure tolède et poignée d'argent. Mais vous autres gentilshommes, vous avez coutume de dire que l'honneur n'a pas de prix, n'est-ce pas? Il nous a tout vendu trop cher, c'est indigne. Nous étions pressés et il le savait, ça se paye. Et puis, c'est bon aussi de se faire voler comme des seigneurs. Tu vas voir que nous allons nous amuser, mon chéri. Nous allons pouvoir être insolents, nous aussi, enfin. Tu sais combien nous avons? 60 000 francs, que je lui ai tirés en 2 ans. Cesse de te regarder avec ravissement, mon chéri, écoute-moi bien. Voilà ce que nous allons faire. Tu ne risques plus rien à habiller comme ça. Et puis, on ne cherche pas un séminariste qui a sauté le mur comme un criminel. Tu vas aller m'attendre à la petite porte des Tuileries qui donne sur le quai. Le temps que je rentre et que je lui dise que je le quitte. Je dois agir convenablement. Je l'écoutais. Je sentais déjà que j'accepterais tout pour ne pas la perdre. Son plaisir, dont je savais qu'elle ne pouvait pas se passer. L'argent douteux de cet homme et les risques d'être reconnu. Mais je craignais tant de la chagriner qu'il n'y avait pas de hasard que je me méprisasse pour lui plaire. Point d'indignité dont je ne fus soudain capable. À tout à l'heure. À la petite porte des Tuileries. Mon enfance pure, cette année de grâce et de prière, l'honneur même, tout s'était à nouveau évanoui. Nous nous fixâmes à Chaillot, village voisin de Paris, d'où il nous serait aisé d'aller à la ville lorsque le plaisir ou le besoin nous y appellerait. Nous trouvâmes chez une vieille dame qui la louait toute meublée, la maison exacte de nos rêves. Dans le salon, 3 vitrines. Contenant 75 petits objets de porcelaine, dont un cassé. Malheureusement, je ne sais plus lequel. C'est peut-être l'amour au fond à droite. Il me semble qu'il lui manque une aile. Vous vous embrassez tout le temps. Vous ne m'écoutez pas. Il faut pourtant que vous sachiez de quoi vous allez être responsable.
On ne loue pas une maison pour s'amuser. Si, madame. De nos jours, les jeunes gens ne respectent plus rien. En tout cas, nous respectons les porcelaines, madame. C'est même une des rares choses que nous respectons. Oh, je l'espère bien. Car celles-ci sont d'un grand prix et très fragiles. Vous voyez ce qui est arrivé à l'amour. Et les personnes qui vous ont précédé ici étaient des gens d'un certain âge. Eh bien, ils ont tout de même cassé une aile à l'amour en l'époustant. Et ils ont dû la payer. Rassurez-vous, madame, nous n'époussetterons jamais l'amour. Nous n'époustons jamais rien, nous ne croyons pas à la poussière. Mais j'entends que ma maison soit bien entretenue. Vous allez avoir des gens tout de même. Bien sûr, avec votre aide, madame. Une servante, un valet, une cuisinière, si vous en connaissez dans le village. Je m'y emploierai et je vous en trouverai de convenables. Reprenons. Deux bergères recouvertes de toile de jouy en bon état. Deux fauteuils et un canapé en damas rose de forme dite ottomane, très confortable. Très confortable, tu ne trouves pas, mon chéri? Oh, attention, il y a un pied qui n'est pas solide. Il ne faut pas s'y mettre à deux. Oh, nous sommes si légers, madame. Et ils vécurent très vieux, sans avoir jamais plus la crainte de se perdre. Ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh non, mon chéri. Pourquoi? Tu ne veux pas avoir d'enfants? Non. Je n'ai que toi. Il n'y a pas de place pour deux dans mon cœur. Ils sont mignons, nos petits valets de campagne. Tu crois qu'ils couchent ensemble? C'est une chose que je ne me suis pas demandé. La cuisinière qui a passé l'âge de l'amour les surveille. Conduis. Mais ça viendra sûrement. Un garçon et une fille ensemble, ça finit toujours comme ça. Moi, avant de te connaître, je n'avais jamais regardé une fille. Mais toi, tu es un petit curé, mon biquet. Oh, tes plaisanteries ne sont pas drôles. Tu allais bien être religieuse. Oui, mais moi, je ne voulais pas. Tu l'as bien vu. Je m'étais bien juré qu'à la première occasion. Oh, mon amour, mon cher amour. Tu sais pourtant bien que je suis bête et que je dis n'importe quoi. Aime-moi toujours, Manon. Ou j'en mourrai. Toujours, mon amour, je te le jure. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Plus 50. Plus 50. C'est très amusant de faire des piles. Presque aussi amusant que de les dépenser. Mais ça s'épuise moins vite. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir de penser que nous allons être heureux avec l'argent de ce vilain bonhomme qui m'avait volé à toi. Ça doit être ça, la morale. Tu crois pas? Voilà, 150 écus. Il ne faudrait pas dépenser plus que ça par mois. Ça fait à peu près 2000 écus chaque année. Si nous ne dépensons pas plus, nous pourrons tenir 20 ans. 20 ans? Mais je serai vieille. Notre seule dépense superflue, ce sera le carrosse et les spectacles. Pour le jeu, nous essaierons de limiter nos pertes à deux pistoles. Il me semble que tu deviens un peu avare, mon chéri, depuis que t'es riche. Allez. Assez compté. Mets tout ça dans la boîte. Habillons-nous vite et allons à Paris. Il y a bal ce soir à l'opéra. Allons danser. Allez, vite, 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 vite. Allons danser, c'est trop long l'avenir. Mais tu sors avant que j'ai rangé, ce n'est pas prudent. Habille-moi, toi, au lieu de rester là, planté comme une souche. Ma robe, la nouvelle. Allez, vite, 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 vite. Bientôt, l'automne venant, elle s'ennuya à Chaillot. Et nous louâmes un appartement meublé à Paris pour y passer la nuit plusieurs fois par semaine. Nous nous donnâmes ainsi deux logements, l'un à la ville, l'autre à la campagne.
Ce changement mit bientôt le dernier désordre dans nos affaires et fit naître deux aventures qui amenèrent notre ruine. Manon avait un frère qui était garde du corps. Par un malheureux hasard, il se trouvait logé à Paris dans la même rue que nous. Il reconnut sa sœur en la voyant un matin à sa fenêtre. Sacrebleu. Comment, madame n'est pas là? Je viens de la voir à sa fenêtre. Comment, de la part de qui? Et la voix du sang, alors, morveuse? Elle a besoin de se faire annoncer? La voix du sang? Alors, petite sœur, c'était là le couvent? Et c'est là-dessus, je présume, les prières du soir, fille indigne! Ne crie pas si fort! Écoute-moi! Je ne peux pas! L'indignation m'étouffe! Un père qui use ses forces à vendre honnêtement du drap à Saint-Quentin. Une mère dont le derrière ne quitte pas son banc d'œuvre à l'église. Un frère qui risque sa peau chaque jour que Dieu fait au service du roi. Et à 16 ans, ça devient 14! Écoute-moi, moi! Au lieu de gueuler n'importe quoi comme d'habitude! Impossible! J'explose! J'éructe, je crache, je vomis! Je m'évide! Et ton frère? Tu sais quel uniforme je porte? Tu sais ce que c'est que les gardes du corps, capitaine Monsieur le Duc de Duras? Et quand je dis catin, il y en a d'honorablement établi? Mais non! Avec le premier godeluro venu! Ne lis pas! On t'a vu, à l'auberge d'Amiens, en plein milieu de la cour, après 4 mots échangés avec n'importe qui. Il est gentilhomme. C'est un chevalier. On la connaît. De nos jours, tout le monde est gentilhomme. Où se cache-t-il que je l'embroche, ton gentilhomme? Sous le lit? Dans la garde-robe? Dans l'armoire? Comme un cocu? Il est sorti un moment, mais il ne tardera pas à rentrer et il saura te répondre. Mille dieux, c'est ce que je demande. 2 pouces de fer dans les côtes pour lui apprendre à respecter l'honneur des dames. Dans un vulgaire appartement meublé. Ça n'est même pas le luxe. De mauvaise langue m'avait dit que c'était avec un fermier général. Ça n'était même pas vrai. Si, mais je l'ai quitté pour lui. Parce que je l'aime. Tu es tombée plus bas que je ne le croyais, ma pauvre fille. Mais c'était compté sans ton frère et sa religion de l'honneur. Je ne veux même pas le voir, ton petit monsieur. Je ne lui ferai pas l'honneur de me battre avec lui. Mais dès ce soir, j'avertis la famille, et dans 8 jours, tu auras de nos nouvelles. Est-ce qu'on... Au couvent, ma mignonne. Au couvent! Lescaut, je t'en supplie! Inutile. Je suis de marbre. Lescaut! Dis-donc, écoute un peu, toi. T'as pas servi autrefois aux cuisines du Royal Chamboran? Il me semble te reconnaître. Mais si. Tu te souviens pas de Lescaut? Manon, qu'est-ce que tu as? Ils vont me remettre au couvent. Mon frère m'a découverte, il sort d'ici. C'est un homme grossier, brutal, sans principe. Il m'a traité de catin. Il a dit qu'il allait avertir mon père. Il a levé la main sur moi. C'est lui que je viens de croiser. Je le rattrape. Non, non, il ne faut pas le pousser à bout. S'il écrit à mon père, il me remettra au couvent. Je retire tout ce que j'ai dit. Je viens de parler à votre cocher, qui est un ancien goujat de cuisine du Royal Chamboran, que j'ai bien connu autrefois. Il m'a dit de vous, monsieur, des choses si avantageuses qu'elles ont éteint ma juste colère et que je viens faire des excuses à ma petite sœur. Vous savez, un soldat, ça a le sang chaud, mais ça a le cœur sur la main. Lescaut, sergent en garde du corps. Le chevalier des Grieux. D'une des meilleures maisons de Picardie. Il paraît que monsieur votre père est un homme considérable. Il fallait le dire. Je suis ravi de vous connaître.
Eh ben, tu vois que tout s'arrange entre galants hommes, petite sœur. Et pour achever de faire connaissance avec monsieur, je suis un homme tout rond, je suis d'avis que vous me reteniez à dîner. Tout bonnement. Dîne avec nous si tu le désires. Tu sais que j'ai toujours souhaité que nous soyons bons amis. La voix du sang. Ah, vous m'attendrissez. À l'amour. Le champagne, c'est le vin de l'amour. Embrassez-vous donc. Embrassez-vous donc. Vous en pourrez d'envie. Vous n'allez pas vous gêner pour un vieux militaire. Alors, l'appartement meublé, ça n'est que lorsque vous rentrez tard du spectacle. Comment est-elle, cette maison de Chaillot? Digne de vous, j'espère, mon petit beau-frère. Je brûle d'envie de la connaître. Vous y retournez dans la soirée? Il fallut le mener dès le soir à Chaillot et lui donner une place dans notre carrosse. Ce fut une prise de possession, car il s'accoutuma bientôt à nous voir avec tant de plaisir qu'il fit sa maison de la nôtre et qui se rendit maître, en quelque sorte, de tout ce qui nous appartenait. Moi, j'adore la campagne. Forcément, un vieux soldat. La guerre, ça se fait surtout à la campagne. C'est d'ailleurs un de ses charmes. Ah, la nature, la nature. Il n'y a que ça de naturel. Buvons à la nature. Et à l'amitié. Vous êtes mon beau-frère, donc mon frère. Et entre frères, je vous sers. Elle est fameuse, votre archibuse. Je te remplis ton verre, Sarrette. Non, merci, non. Oh, ça fait rien, ça fait rien. Je le boirai à ta place. Ah, mort, comme tu les aimes. Ah, je ne me sens véritablement m'épanouir que dans cette amitié fraternelle. Mon cœur de soldat s'attendrit.